Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 20 de Limbo. Je pense que cette énigme-là, elle a pas l'air trop folle. Là, je vois qu'il y a un genre de mitraillette. Et... Ah ouais. Donc là, j'imagine que je peux pas passer. Si je passe, je vais me faire couper les pieds, c'est ça? Ouais, d'accord. Oh, cette violence sur intestin. Ah, la violence sur intestin, c'était... Bon appétit, bien sûr. Alors, voilà, pour tuer une anguille, on lui met un bon coup de batte sur la tête. Et après, on la laisse dépasser du corps des petits enfants. Pour ceux qui ne comprendraient, pardon, pas la référence, j'imitais la voix de Maïté, qui était une, qui faisait une émission culinaire sur M6 quand moi j'étais gosse. Donc voilà. Je suis pas persuadée que tout le monde connaisse du coup. Ah ! Ah ! Ah mais oui ! D'accord ! Mais non, reviens ! Je suis sûre que tu dois pouvoir buter ta copine, toi, viens. Yes! Eh alors! C'est qui le papa? C'est pas moi! J'ai pour ta gueule! J'ai pour ta gueule! Alors, c'est électrifié ça? La meuf qui est... Alors, je suis complètement traumatisée par tout ce qui est électrifié grâce à l'épisode précédent. Petite danse. Ouh, ouh, ouh. Yeah, c'est trop bien Limbo. Descends. Alors, là-bas il y a un bouton. Qu'est-ce que fait ce bouton? Ok. Si je vais là, je m'envole? Non. Ok. Et là-bas, il y a quelque chose. Un. Ah! Ah, je crois que j'ai compris un truc. Hop. Ah merde, j'aurais... Ah merde, oui, bah oui. Ah, bah... Oui, j'aurais dû monter. Ah bah oui. Ah, si on me dit rien à moi aussi. Hein? Si on me dit rien. Bah j'oublie de monter. Allez, monte. Monte, gros cul. C'est toujours son petit prénom, hein. Ça n'a pas changé. Je vais me mettre là et puis je vais la pousser. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent quand même un peu le truc qui se fait en plusieurs fois, cette histoire, non? Vous croyez pas? Ouais, parce que ça c'est pareil, ça va faire un brrrring aussi. Ah! Ah! Ok. Come on, babe. Ok, recommence. T'as déjà niqué quelques secondes de ton timing. Ok, recommence. Tu viens de refaire la même connerie. Oh putain, mais je suis mauvaise. Oh là là, je crois qu'il me stresse trop ce jeu en fait. Ouais, vas-y, moi. Oh, fuck! En fait, je commence à jouer un peu n'importe... Enfin, non, j'ai toujours un peu joué n'importe comment sur Limbo, mais là, je joue vraiment n'importe comment parce que j'ai vraiment très envie de le finir. Parce que j'en ai un peu marre d'y jouer. Grab it! Non. Bon, ok, vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que ma caisse de base, elle est pas bien positionnée, tu vois? Il y a un genre de bug d'affichage, quand je bouge un peu, l'échelle au-dessus de moi, elle fait pas la même longueur. C'est pas grave.
peux courir plus vite, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te manier un peu le cul, s'il te plaît? Allons-y. Oh yeah! Pas de blague. Je me suis pas chié cette fois. Cours plus vite, putain. Trop court, trop court, trop court. Grab, grab, grab. Ok. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est typiquement le genre de truc avec lequel je suis pas doué. Vous vous rappelez très bien. Genre, je vais pousser la caisse pour monter. Parce que je suis pas doué. Jamais dit autant putain de ma vie, je crois, que dans cette série. Et je m'en excuse d'ailleurs, parce que il n'y a pas que des grands qui regardent. Bon, il n'y a pas beaucoup de grands, à mon avis, qui doivent regarder. D'ailleurs, je vous salue tous et je vous remercie de me suivre, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais. C'était fun, ça. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des viewers récurrents. Des viewers récurrents. Un ascenseur. Ça va, c'était pas trop complexe encore. Ouais. Ah, j'ai ma petite idée là. Putain, je l'ai géré ce coup là. Par contre, il va super loin le faisceau, ça me rassure pas des masses. J'ai l'impression qu'il va jusque là quand même. Pas assez vite quoi. Oh putain. Ok. Ah d'accord. Oui, d'accord. À mon humble avis, cette caisse doit servir à quelque chose. Sauf que je ne sais pas où. Ouh là là. Est-ce que si je la mets là... Oui, d'accord. Non, non, non. Ici. Ouais, d'accord. Enfin... Je vais tester ça. Hop là. C'est assez rigolo ça quand même. Ouais, il me faut la caisse pour monter là-dessus. La la la. La la la. Est-ce qu'il me faut vraiment la caisse pour monter là-dessus? Je vais quand même tester sans la caisse. Ouais, bon, il me faut la caisse. Bon. Bon. Attendez, je réfléchis à mon truc, hein. Je réfléchis à mon truc. Je réfléchis. Est-ce qu'il y aurait un truc que j'aurais loupé? Parce que j'ai beau tester, ça marche pas. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc tout à l'heure.
Toi, je vais te ramener en bas. Je vais te remettre là où t'es censé être. Là, de l'autre côté, saute par-dessus, arrête d'être débile! Ok. On va redescendre. On va aller voir si... Ouh là là! Est-ce que je peux pas descendre? Si, c'est bon. Je me demande si... Parce que tout à l'heure, j'ai pas été voir ce qu'il y avait au-dessus de la mitraillette et ce jeu. Avec les mécaniques qu'il y a, je pense quand même que ça doit avoir un intérêt. Non! Ah merde! Rends-moi ma caisse! J'en ai besoin! Rends-moi ma caisse! Non, tu viens avec moi, toi. Oh! Ah, de te croire chez mémé. Oula, peut-être pas autant quand même, hein. Reviens là. Voilà. Né. Je suis sûre qu'il y a un truc à... Et bah voilà, y avait un truc ici. Bah voilà! Par contre, je peux pas aller la chercher. Ah, oui, ok, non mais d'accord. Ouais. Ok, je vois. Je sais ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Toi, tu vas me rendre ma caisse. Toi, tu vas me rendre ma caisse. Attendez, je vérifie un truc parce que j'avais fait pause, je sais pas si j'ai remis le... Ouais, c'est parce que je pensais que j'avais pas remis mon compteur. Alors, hop, pouce. Vous allez voir, vous allez voir. Je suis sûr que ça va marcher, vous allez voir, vous allez comprendre. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà compris, mais... Je suis sûr que c'est ça. Parce que là... Oui, blablabla, les balles, t'es content. Là, je vais inverser le courant. Bim, je me retrouve en haut. Donc là, j'ai ma première caisse. Mais assurément... Coucou le papillon. Ah, non, ça n'a pas marché comme je voulais. Ah, je l'avais pas assez avancé. C'est ça que tu es en train de me dire? Ah, j'étais sûre... Je suis sûre que ça va marcher. Je suis sûre que c'est moi qui ai mal fait un truc. Vous allez voir, vous allez voir. Ça peut pas être autre chose, c'est obligé. Ah non, ça par contre, c'est pas cool. Ah non, rends-moi ma caisse. Non, 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 elle peut pas partir en couille comme ça, là, c'est pas possible. Viens avec moi. Il faut qu'elle soit au-dessus de l'échelle. Là. Voilà. Non, là, elle va heurter encore. Voilà. Tout droit. Tombe tout droit. Voilà. Faut pas que tu partes en couille parce que moi j'ai besoin de toi en bas en fait. Pour pas mourir. Tu vois? Sinon je me fais couper par des balles. Et ça fait très très mal. Je parle en rime. C'est génial. Alors, attends. Parce que là, y a un truc caché, je suis sûre. J'aimerais bien voir ce que c'est. Oui, t'es contente. T'as tiré partout. Alors, elle est partie où ma caisse? Pas au bon endroit, d'accord. Bon, ok, je vais la laisser partir en couille. Voilà, part en couille, va jusqu'au bout. Tombe. Ok, c'est compliqué en fait. J'ai eu de la chance le premier coup, c'est ça?
Ah non, je peux pas ramener ma caisse là. Putain, ce que c'est chiant ce truc. En fait, ça me l'amène de l'autre côté, donc c'est un peu relou. Bon, je crois que je vais couper et que je vais vous reprendre une fois que j'ai réussi à amener la caisse où je veux. Parce que c'est en train de me rendre chèvre. En sachant que je recorde quand même toujours. Je recorde quand même toujours au cas où j'y arrive du premier coup, mais. Non, vous voyez, déjà elle roule plus comme il faut là, ça m'agace. Bah voilà, il suffit que je recorde sans le chrono pour que ça marche. C'est génial la vie quand même, hein. C'est bien fait. Bon là je suis sûre que ceux qui n'avaient pas compris, ils ont compris maintenant. Toi, rends-moi ma caisse. Je suis sûre que c'est ça parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre en fait. Donc, je passe de l'autre côté, tu pousses, j'ai ma souris qui me gêne, je pousse ma souris. Là, je suis absolument certaine que c'est ça, parce que ça ne peut rien être d'autre. Je suis sûre que c'est parce que... Enfin, moi, là-haut, j'avais clairement besoin de deux caisses. Voilà, maintenant, maintenant, je suis sûre que c'est ça, donc... Par contre, ça fait une petite trotte pour aller la chercher, quand même. Allez, copine. C'est quand même assez perturbant de jouer dans l'autre sens en fait. J'espère que j'ai pas trop soufflé dans le micro parce que c'était un gros problème de mes vidéos précédentes. Je les gardais trop près. Non, moins que ça. Il faudrait qu'elle soit moins loin que ça. Il faut que tu sois genre là. Voilà. Et après, bon, bah, il faut que le timing soit bon, quoi. Trop bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, d'accord. Toi, tu fais quoi? Eh ben, je sais pas. Un truc à faire là, non? Attends, parce que ça... Ça pue le timing parfait que
sais-je. Ouais. Eh bah, je sais pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode-là. Comme d'habitude, on se retrouve sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus sur la chaîne, aussi bien sur celle-ci que sur la seconde chaîne qui s'appelle Poppy aussi, il me semble. Voilà, désolé, je baille un peu. Et puis, on se retrouve également sur les lundis indés, le jeudi soir à 20h30 sur la chaîne Hitbox de The Sad Panda. En espérant que pour vous tout va bien et qu'on se verra bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Salut!